Bonjour, je suis Abdelmonam Labidi, secrétaire général de l'association Réseau, relais pour l'émergence d'une jeunesse sociale organisée. C'est une association qui a été créée en 2011. Nous défendons une Tunisie où les jeunes sont valorisés, compétents et acteurs de leur destinée. Nous travaillons dans deux axes stratégiques de renforcement de compétences des jeunes. Nous avons développé un pack d'ateliers, donc divisé sur deux axes stratégiques. Aide à l'insertion professionnelle et l'éducation citoyenne. Donc, nous avons animé 1000 ateliers qui ont été organisés avec à peu près 10 000 participants, dont 61% de filles. Et nous sommes aussi présents sur 12 gouvernorats. L'association présente des atouts considérables. Donc, je citerai une équipe de jeunes bien formée et spécialisée dans la formation des jeunes. Donc, nous avons des médiateurs qui ont des âges de 18 à 35 ans. Nous avons travaillé avec les collectivités locales sur le renforcement de leurs compétences. Et aussi, pareillement, pour les organisations de la société civile, notamment dans le cadre de financement, de cadre de financement public. Aussi, nous avons travaillé sur l'accompagnement social personnalisé des jeunes qui sont à la recherche d'emploi ou qui ont besoin d'aide à l'appui à l'entrepreneuriat. Donc, nos collaborateurs ou nos partenaires dans ce projet sont bien sûr les bureaux d'emploi, les collectivités locales, les maisons de jeunes de culture et les organisations de la société civile. Mon engagement dans l'association Réseau n'est pas nouveau. Je suis membre fondateur de l'association et j'ai quand même une certaine expérience dans la société civile puisque j'étais directeur d'une association de développement. Et je pense que notre pays, la Tunisie, a besoin de ressources pour renforcer les compétences des jeunes pour qu'ils prennent leurs responsabilités par rapport à l'avenir de cette société.